cette voix, cette présence indienne à Madagascar, avec cette espèce de pure carame. Voilà, parce que c'est là où ils sont très forts, c'est que ces carames-là, aujourd'hui, sont très européanisés. Ce n'est pas les carames d'il y a 30 ans. Ce sont des mecs qui ont fait toutes leurs études aux États-Unis, en Angleterre, dans les grandes écoles en France. Et là, les Français qui dirigent, qui sont de haute sphère, ils se reconnaissent avec eux. Beaucoup plus qu'avec les Malgaches, d'ailleurs. Parce que les babacoutes malgaches, ici, il y en a un paquet. Hein. Putain, les babacoutes. La malgachitude, comme disait mon père. Malgachitude. Malgache ? Malgachitude. Il me dit, il y a les lémuriens. Alors, il y a des malgaches qui sont au niveau de la tête du lémurien, puis il y a des malgaches qui sont au niveau du cul du lémurien. Mais alors, il ne parlait pas de lémurien aussi quand il se fâchait. Il disait, il y a les orang-outans. Et puis, c'est les gorilles, ils ont leurs fesses roses. Chérie. Ils n'ont pas de poils. Et les malgaches, ils disaient, quand ils étaient fâchés, ils confondaient avec les joues. Les fesses. C'est pas possible. Ce groupe d'officiers généraux, il faut bien comprendre, ils n'ont jamais digéré que nos colonels prennent le pouvoir. Quand tu es militaire, il y a une hiérarchie. Il y avait 130 officiers plus haut gradés que ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui. 130. Ces 130-là n'ont jamais digéré. Et en plus, tous les généraux de l'époque de Ramalban ont été virés ou dans une semi-retraite. Ce sont que les colonels, les chefs de corps qui dirigent Madagascar aujourd'hui. Donc, si tu veux, en plus, nous, c'est des commandants et des lieutenants-colonels avec qui on a traité le deal. Parce que nous, on sait le truc, quand on est militaire, en graduel, les fils de militaires, on ne va jamais traiter avec un général qui n'a pas le chef de commandement d'un régiment. On va traiter avec le colonel qui a le régiment sous sa botte. Le général, il n'est plus là. Il est plus obéi. Et c'est ça qui a fait le drame de l'armée malgache aujourd'hui. Ce sont les sous-officiers avec les chefs de corps qui ont pris le pouvoir à Madagascar. Et quand il y a eu à l'escopole, lorsqu'on chope, quand Ramalban donne le pouvoir, et que l'ambassadeur des États-Unis... Quand l'ambassadeur américain va valider le directoire militaire, on arrive, nous, avec tous nos mecs. L'arme à la main. Et c'est là qu'on a été traité de putschiste. Parce qu'on a commis une erreur gravissime quand Norbert Atzeron est là, et moi je suis juste, juste à côté. Nous, on est au téléphone permanent avec les gars. Il y a des sergents, des adjudants, qui prennent l'ambassadeur américain qui le tire l'oreille. Ils disent, toi, tu dégages, sinon tu mets une balle dans la tête tout de suite. Et l'ambassadeur américain nous en a voulu jusqu'à aujourd'hui, même s'il n'était plus en poste, a dit, ce sont des putschistes, et le rapport de cet homme-là a fait que tous les États-Unis sont contre nous. Parce qu'il y a un connard de sous-officier qui lui a pris par l'oreille comme ça, hein. C'était à la télé partout, hein. Il dit, dors. Il a pris le bazar et dit, dors. Et il le pousse dans sa bagnole et tout, etc. Et Ratseron lui dit, monsieur l'ambassadeur, quittez immédiatement les lieux, sinon votre sécurité n'est plus assurée. Le mec sort de là, hyper vexé, il en a fait une affaire perso, et ses rapports ont été catastrophiques pour nous. Et quand on arrive là, on prend les quatre généraux qui sont là, on les met en prison. On les chope en prison pendant 24 heures, et on leur dit, soit vous nous donnez le pouvoir, soit vous allez tous crever. Tout le monde, les quatre généraux. Même mon oncle. Même son oncle. Mon oncle, c'est le premier, puisque c'était lui. L'oncle, tu verrais Hippolyte Lamarçon, c'est un gabarit, hein. C'est un rugbyman. T'as l'impression que c'est un mec qui est costaud. Hein. Qui est personnalité qui va. Et le mec, il me dit, Patrick, on n'oubliera jamais. Mais même Rant, il est costaud. Ah ouais. Mais attends, tu as pas vu les sous-officiers? Nous, c'est des coqs. C'est des à coups gas. Moi, il mange un tatayama. Si nous maintenant m'engage ma reine à table de ligne, c'est un rabat qu'elle est dédiée. Rabat qu'elle est cassée. Et puis moi, je rentre, mes deux sous-officiers, Alfred et Souk, qui sont avec moi là. Putain, ils étaient là. Ils m'ont dit, putain, quelle joie qu'on avait donné le coup de pied au cul aux généraux. C'était
Pour eux, c'est un fantasme. C'est un fantasme. Qui mais dans un truc comme ça. Mais putain, mais il y a... Vous aviez au départ quand même un minimum de financement. Parce que si tu fais pas ça comme ça, non, tu pas que tu fais ça comme ça. On est parti avec notre budget. En fait, ils ont bluffé. Et les Caran, ils n'ont pas donné un peu. Ils ont donné un peu. Un peu, mais ils avaient de la trouille. Que de Ravalman. Mais tu parles de Razabani. Un peu. Il y avait Hippolyte Lamarson, Rante et deux autres généraux. À qui on a donné le pouvoir. On leur a mis le pistolet sur la tête, on a dit, si vous acceptez pas de nous donner le pouvoir, on vous flingue tous les quatre dans l'heure qui suit. Les quatre, le flingue sur la tête. On les a menacés de mort. Carrément, hein. Ouais. Ah, c'est pour ça alors qu'ils vous en veulent quelque part. Oui, parce qu'on a cassé quelque chose qui est grave. Moi, je suis fils de militaire, j'ai fait 5 ans d'école militaire, on a donné le pouvoir aux sous-officiers. Et les sous-officiers ont botté le cul aux ces généraux. Et ils ont tabassé. Ils ont tabassé. Ils n'ont pas tabassé, mais ils ont giflé, ils ont bousculé. Coup de pied. Même Rente. Bien sûr. Mais tu sais que nous, on rigole pas. Hein. Le groupe. De... Et Hippolyte, son nom, a dit, nous, on n'oubliera jamais. On n'oubliera jamais. Il me l'a dit. Il me dit, tu, je t'aime comme mon fils. Je sais que tu es amoureux fou de ma fille. Hein, mais je n'oublierai jamais. Que tes sous-officiers de merde m'ont botté le cul. Et un jour, on reviendra. J'ai dit, Hippolyte, moi, j'ai juré ma fidélité, j'ai donné ma fidélité à André Atuel. Si vous, n'importe lequel d'entre vous, vous mettez contre lui, je serai obligé, moi, jusqu'à mon dernier centime, de vous tuer un par un. Je vous mettrai une balle dans la tête chacun à votre tour. Et j'ai dit, je suis un métis, c'est ma ville. Ça fait 25 ans, 30 ans que je suis ici. Je vous... Non, plus que ça, tu auras 50 ans. Mais depuis 85, je suis là. Mmh. Et je leur ai dit, la différence entre vous et moi, c'est que moi, je vous poursuivrai, vous, toute votre famille, tous vos enfants. Je créerai l'enfer. Mais alors, je paierai des gens qui vont créer l'enfer. Attends, je ne comprends pas un truc. Oui. Oui. Voilà, mon amant de bois miat, un broussa, ça a rinasé pour tout le monde. Mais c'était Hitler, mais nous pas la rana, nous pas la rana, nous t'aimons, 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 et elle me l'a les contrats, d'un bois en contrat. Ok, merci. Ah, non, non. John Fajni, Claire, Nidalan, maman, 50 000 tonnes. Parmi les 50 000 tonnes, un peu d'accord, mais mieux que 22 000 années, rocheux. Mais 30 000 tonnes à maïr, rocheux.